Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la découverte sur Watch Dogs Legends. On a mené à bien nos deux premières missions. Et donc on part sur une prochaine mission. Où il faut aller rencontrer un informateur. Profitons-en pour pirater ces petits distributeurs de billets. Ça fait un peu d'argent, c'est toujours ça le prix. On avait également un peu de tech à répartir. On peut se prendre l'électro-point, parce qu'on a 20 tech. Coup de poing électrostatique capable de mettre un adversaire KO en un seul coup. Ah, c'est pas mal ça. Piège à impulsion électrique, c'est bien aussi. Piratage attiré. Attirer les ennemis vers un piège explosif. On va acheter ça. Non. Comment on enlève le masque? Ok. Ok, le distraire, il a un temps de recharge qui est quand même assez long. Oh, t'as une bonne tête, toi. Je sais pas si c'est loin, ça se trouve c'est super loin. J'y vais à 2 à l'heure, mais en même temps, il y a des flics de partout. Puis on visite un peu Londres, comme ça. Ah là, il y a une icône bizarre, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Livrer. Les agents peuvent récupérer des colis dans n'importe quelle boîte et les livrer dans la boîte de destination indiquée. Les colis peuvent avoir jusqu'à 3 propriétés, chacune avec sa propre difficulté. Urgent, la livraison peut expirer. Fragile, le colis sera détruit s'il subit trop de dégâts. Ou contrebande, le colis attirera l'attention d'Albion. Une icône recommandée identifie les colis devant être livrés près de votre objectif actif. Faire partie de DedSec est un engagement de non, ça je m'en fous. Pensez à un moyen d'améliorer un peu l'ordinaire qui en plus colle avec notre mission. Beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour qu'il n'arrive rien à leurs marchandises délicates. Certains sont même prêts à vous payer pour faire la livraison. Alors. C'est quoi ce symbole là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pirater. Ah, ça fait du gagner de l'argent, ça. Ok, ça fait gagner de l'argent, très bien. Pour quelle raison, je ne sais pas. Dommage qu'il n'y ait pas les noms des rues. Je sais pas où on est. Continuons notre petit bonhomme de chemin et puis on va essayer de voir les icônes qui sont autour de nous pour essayer de te faire un peu d'argent et puis découvrir un peu tout ce qui est un peu secondaire. Hop, 246 ETO, parfait. On pourrait y aller en voiture mais on profite de la ville. Là, il y a un peu d'argent aussi, je sais pas où c'est. Dans la cour intérieure pour faire le tour. Non, bah, ça va aller. On n'est pas à ça près. J'aime beaucoup le fait de faire chier le monde. Ah, c'est quoi Spider au-dessus là? On va aller voir par là ce qui se passe. Au-dessus, il y a un truc à récupérer. Il sort d'où, lui? Je peux l'ouvrir, cette porte? Pas du tout. Pourquoi, lui, il sort de là? Oh, il y a 4 caméras énormes, là. Ah, c'est une porte d'Arc Nobot. Voyons voir si on peut... Oups.
Ah non, mais ça fait pop une arachnobot en fait. Ok, et je suis censé en faire quoi cette arachnobot? Ah, mais elle peut sauter plus haut que moi la arachnobot. Ok, elle doit pouvoir grimper. Mais oui. Pas mal. Oups. Je suis tombé. Une petite séquence de plateforme, alors après Ghost Runner, elle paraît bien tranquillou cette séquence de plateforme, mais bon. Il est là. Ça valait le coup. Ok. C'était bien. C'est rigolo. Allez, allons en direction de notre mission. Là, il y a un peu d'argent à récolter, mais c'est au-dessus. Je vois pas comment y aller. Je peux prendre des armes? Non, je peux pas prendre des armes. J'ai toujours que mon flingue. Ok, on va à la gare de King's Cross. Oh, elle est classe. Elle est classe. Qu'est-ce qu'il y a? Je monte dans ta bagnole. Tu dis quoi? Tu vas rien faire du tout. Ok, l'informateur, c'est lui. Il paraît que t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous le groupe qui s'attaque à Albion? J'arrive pas à y croire. Je me sentais un peu tout seul jusque-là. Bon, moi, je ponds juste des articles, mais vous, là, vas-y, c'est de la dissidence totale. Ouais, je commençais à en avoir marre de mater des vieilles séries. Et puis, il y a ces histoires de défense de la démocratie, là. Bon, t'as quoi pour nous? J'ai failli me faire choper pour trouver ça. Les données opérationnelles d'Albion pour toute la ville. Trajet de convoi, cibles à surveiller, infrastructures, tout est là. Vous saurez sûrement quoi en faire. Putain, carrément. Tiens, juste un exemple. Albion a fermé la gare de King's Cross au public, tu vois? Mais ce que les gens ils savent pas, c'est que ça leur sert de centre logistique. Matériel, troupes, etc. Carrément. Il y a des tonnes de trucs qui transitent là-bas. Vous voulez booster la population bien comme il faut? Attaquez cet endroit. Mettez-le hors circuit, et comme ça tu portes un gros coup aux opérations d'Albion à Camden. Et partout ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Atteindre la gare de King's Cross. Non, non, non. Ah si, là je peux, là j'ai le droit d'y aller. Ok. On va utiliser notre petite araignée. Ah, il y a une vitre, j'avais pas vu. Ok, 1300 crédits. Je peux mettre des gens KO ou pas alors? L'alarme de 4 a fait la zone. Trouvez le hacker.
Ok, il recherche le hacker. Donc je peux pas faire ce que je veux quand je suis en araignée, quoi. Bah alors, fais-moi le malin. Donc apparemment elle peut faire des attaques non létales, mais alors je vois pas comment. Ouais, je pouvais aussi la faire. Quoi qu'il arrive, il y avait des caméras sur chaque porte. Donc quoi qu'il arrive, c'était compliqué. Bon, on va réessayer. Il a mal de tête, le monsieur. Ah bah voilà, comme ça il a pas été repéré. Hop là, ni vu ni connu. Alors. Pas de choses qui sont au-dessus en fait. Mais en bas il y a les points de tech. On va aller les chercher quand même. On peut distraire les gens. Ah, il y a une vitre, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une vitre. Je veux pas voir ça. Zut de flûte. Ok, tout est à l'étage. On va attraper cette vermine. Arak, ne vote en vue. Trouvez vite le pilote. Y'a rien ici. Rien dans cette zone. Ça c'est fait. Négatif, c'est vide. Je continue. Il faut qu'on se disperse. Personne ici. Rien de mon côté pour l'instant. Elle a la clé là. Allez, on prend la clé. Ça suffit. Je vais tirer. Cherchez par ici. Comment je recharge ? Y.
Ok. Ah mais il se relève. Alors, où est-ce que tu es passé? Bon, finissons-en. Merde, je vais checker avec le central. Je vais aller y jeter un coup d'œil. On va prendre ce masque là. Tout est relié ici, là. Je vais jeter un coup d'œil. Zut, j'ai perdu la trace du suspect. Je quadrille la zone. Ouvrez l'œil, il n'est pas loin. Cette porte est... Ok. Ok, j'ai tout ouvert. Waouh. Viens là, toi. C'est quoi, ça? Petite statue d'Égypte datant du 14e siècle environ avant Jésus-Christ, représentant une silhouette dans une pose osirienne. Elle semble être authentique. Cette statue a sûrement été envoyée à Londres pour être exposée dans un de ses nombreux musées. Sa place est dans un musée. J'aimerais bien récupérer le point de tech qui traîne par là. Il est juste là. Ok. On peut continuer notre route en direction du point jaune, du coup, qui n'est pas du tout sur cette map là. Je suis venu là pour rien en fait. C'était juste pour un point de tech et un masque. Ok, bon bah allons à King's Cross alors. Les plans opérationnels d'Albion, c'est exactement ce qu'il faut. Ah si, c'est pour récupérer la carte. Il va falloir qu'on étudie ça de près. Alors, comment on fait pour mettre tout King's Cross en mode offline? Albion a installé un... Ah, on lui a coupé la chiche. Ça va pas être facile d'accéder à ce générateur. Ils ont renforcé les protections depuis la dernière fois que je l'ai vu. Qu'est-ce que je dois faire? Les drones journalistes sont toujours là-dedans. Il va encore marcher. Tu pourras en prendre un. Tu piloteras peut-être même mieux que moi. Ouais, ça me dit pas comment je rentre. Ça me dit pas du tout comment je rentre. Ouais, mais je rentre comment? Moi, je veux bien essayer d'y aller, mais...
Je peux même pas envoyer mon araignée, je peux absolument rien faire. Ah ok, il faut que je me déplace comme ça en fait. Surtension dans un générateur hybride, ce n'est pas comme de beurrer une crêpe. Il nous faudra des instructions précises. On va aller y jeter un œil. Jette un coup d'œil à ça. Fuck, ça a l'air hyper compliqué. Mais mon petit drone a une bonne caméra. Bagley, ça tira une photo? Oui, tout à fait. D'après ce que je vois, il y a un code dérogatoire qui nous permettra d'accéder au système du générateur. Il est beau hein, ce petit robot. Même s'il télécharge très lentement. Voilà, utilisez le code sur le générateur et je pourrai provoquer une surtension. Ça devrait suffire à mettre King's Cross hors service. Et tous les chemins de fer aussi. C'est parti. GG. Fournit des tonnes d'informations, une vraie mine d'or. Convoi d'Albion, indique, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Camden. Faire capoter les opérations d'Albion et donner aux gens une raison de se soulever, quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux londoniens que DedSec est là pour eux. Ok, donc on a vu la map avec différentes zones, c'est plutôt cool. Je savais que DedSec était pas comme le dit Albion, et vous l'avez prouvé à tout Camden. Merci. Merci bien. Maintenant que t'as montré à ce quartier ce que fait DedSec, pas mal de gens vont vouloir rejoindre le mouvement. Des gens qui cherchent un moyen de lutter. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va bientôt te contacter à ce sujet. Il va te perdre son enthousiasme, j'en suis sûr. Y a pas d'examen d'entrée et tout ça chez nous. Dis-lui de nous contacter. Soutien de DedSec. Terminer les activités de Borough pour augmenter le soutien de DedSec. Les londoniens de Borough révoltés sont plus enclins à rejoindre DedSec. Les points de tech restants sont indiqués sur la carte quand un Borough est révolté. Les recrues expertes disposent de capacités ou d'armes utiles pour DedSec. Quand un Borough est révolté, une recrue experte rejoint l'équipe. Ok, donc Camden est révolté et on a recruté Machine. Et du coup, on peut changer de bonhomme. Stylé. On va changer de bonhomme. Plus on a de nanas qui envoient du pâté dans l'équipe, mieux on se porte, non? Ouais, j'ai trop hâte d'entrer dans la lutte. Trop bien. Alors, tech, on a 25 points de tech disponibles.
Non. Ça a pas l'air si mal que ça. Eh bien, je n'en viens pas que vous soyez toujours en vie. J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc, vos magouilles de la résistance nous ouvrent une toute nouvelle source d'informations. Je viens de mettre la main, au sens figuré, bien sûr, sur une pépite du ministère des Affaires citoyennes. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Les services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, ont développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Pourquoi ton SDF, tiens, pour voir comment ça marche ? On dirait bien que tu sais te battre. Ça te dit de le faire pour le peuple ? Ah, parfait. Si t'es avec DedSec, j'ai des infos qui pourraient t'intéresser. Continue. Je me suis fait virer il y a quelques semaines, avec toute mon équipe. 300 personnes. Ils nous ont soi-disant remplacés. C'est horrible, je suis désolée. Oh, je m'en suis remis. Mais je reste convaincu que ça cache un truc pas très clair. On remplace pas comme ça plusieurs centaines de techniciens spécialisés. C'est pas possible. Ça tient pas debout, tout ça. Ouais, effectivement. On va vérifier qui sont ces remplaçants. Tout juste. File-moi un coup de main et on trouvera un moyen de s'arranger. Sers-toi de ton imagination. Alors. Mission. Mission de recoupement. On va suivre cette mission-là pour voir comment ça fonctionne. Équipe. Donc L, piratage viral, propagation de piratage. Électrocute les ennemis. Cliptoman, accès illimité. Vol des ETO après piratage. Mais elle est très forte. Arrêté pour délit cybernétique. Âge 39, profession hackeuse, 177 000 livres par an. Associé Justin Watson, son époux, et Evelyn Balogun, son avocate. Elle est bénévole pour la campagne de réélection du maire. Achat fréquent, roman d'amour. A changé de nom sur ses papiers. Lieu de naissance, Exeter en Angleterre. Et a recherché mastectomie préventive pour et contre. Ah mais eux c'est des trucs parce que j'ai l'édition machin, d'accord. Une grosse entreprise high-tech avec des problèmes d'éthique ? On n'a jamais vu ça, mais bon, voyons ce qui se trame. Je vais regarder. Allez, je veux absolument recruter ce SDF. Je veux voir comment ça fonctionne. Stop. Il y a les points de tech ici. Oh, les online market de Camden. On est en mode pas infiltration. Hop là. C'est quoi ça ?
Ok, je monte par là. Le truc que je dois prendre est plus bas. Bon bah redescendons. Lui il est plus haut. Ah mais il est là-dedans. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Ok. Ok. On peut se barrer d'ici. Ah non, il y a encore un truc à ramasser? C'est bon. Surveillez votre environnement. Lorsque vous regardez votre outil, vous ne regardez pas les gens autour de vous. Ça me rappelle des esprits. Oh, lui aussi, j'aimerais bien le recruter. Il joue de l'harmonica. J'aime faire une armée de SDF. Bon, déjà, ils sont recrutés le premier. Ah, là, il y a un point. Il y a des points de tech aussi. Une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone. Ok. Bon, elle, on va dire que l'infiltration, c'est pas trop son truc, quoi.
Pourquoi ça me dit qu'il y a un truc à ramasser ici? Je peux ouvrir ça? Ah, je peux rentrer là. Ah mais c'est là que j'étais. Considération. Allez, allons-y. Y a rien par là. Y'a rien du tout là. Ah si, je peux rentrer là. Ouais mais y'a rien de plus. J'ai déjà été là. Il me dit qu'il y a un truc ici là, mais il y a rien du tout. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre là ce que veut me dire le jeu. Parce que là, par une poubelle, il y a rien quoi. Grimper. Y'a rien ici. Tout comme là, y'a rien du tout. Et c'est pas au-dessus, sinon il me le dirait sur la minimap. Bon, je ne sais pas. Allons-nous-en. Alarme en cours, je répète. Alarme en cours. Adresse envoyée. Demandons un distress. Bon, tant pis. Là aussi, ils disent qu'il y a un colis en dessous. On va essayer d'aller voir, mais... Là, ils disent qu'il est au-dessus. Ouais, je comprends plus rien. Il est là-haut ? Je pourrais peut-être envoyer mon crabe. Mais il est pas rechargé pour l'instant. Allez, recharge-toi, crabe. Je suis curieuse maintenant. Bracelet d'être sec.
Ok. Tu t'es pas trompé de destinataire ? Mais la cible a pas disparu quand j'ai pris le truc, quand j'ai pris la boîte ? Drone de cargaison. Un drone est déjà en route. Ah, ça envoie un drone. Est-ce que je peux, à tout hasard, faire un truc plutôt rigolo ? Voilà un moyen de transport plutôt chouette. Ok, je peux pas aller plus haut que ça. Ça, c'est la classe quand même. On va y aller avec notre drone. Hein. C'est bien rigolo qu'on puisse invoquer un drone, monter dessus et le contrôler. Je trouve ça chouette dans l'esprit. Ah, ça a été détruit ça. Et la Shard Tower, on a une belle vue de Londres. Donc là on va rentrer dans un truc qui est interdit normalement. Il y a un point de tech, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout la mission. Pour cette découverte on va essayer de finir une mission de recrutement. Je sais pas si on aura le temps, on va voir. J'espère qu'on aura le temps. Traversons la Tamise avec notre drone. Volons un peu plus bas. Évidemment, ça aurait été plus vite en voiture, hein, mais... Il va pas comprendre ce qui se passe dans son bateau. Ah, le Millennium Bridge. Royal ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est juste un truc... D'accord. Bravo ! Continue comme ça. Merci, merci. Allez, moi je m'en fous de tout ça, je veux juste aller à ma mission. Au moins on sait qu'on a un moyen de transport qui peut nous amener à peu près partout. Il est pas extrêmement joli le jeu quand même. Hein.
C'est beau parce que c'est Londres et que pour le coup les modélisations des bâtiments sont vraiment chouettes. Mais techniquement c'est pas la grosse folie. Après je suis pas sûr que je sois censé être aussi haut tout le temps dans le jeu, mais c'est un peu plus détaillé au niveau de la rue. Mais il y a un point de tag, je pourrais aller taguer rapidement. On va les taguer rapidement. C'est un peu craqué comme truc, c'est très lent, mais du coup je peux quand même faire absolument tout ce que je veux quoi. Après c'est clairement le genre de truc que les devs ont prévu, mais montrons aux gens que d'être sec est passé par là. Comme quoi, c'est cool de pas être sage. Classe. Ça, c'est un message fort. Toute la population de Southwark verra votre œuvre et saura que quelqu'un prend sa défense contre Albion. J'aime assez votre parti pris sur celle-là. Merci, Bagley. Allez, continuons notre route. En direction de notre prochain objectif. Et à l'autre bout de la ville, en fait. Hein. J'ai pris le moyen de transport le plus lent pour y aller, quoi. Parce que je viens de là, si j'avais su que c'était aussi loin, j'aurais peut-être pris une voiture. Bon, maintenant on est quasiment arrivé, mais... Elle est quand même assez grande la map, hein. Au final. On a quand même accès à une bonne partie de Londres. On se fera une vidéo visite de Londres, pour voir s'il y a Brick Lane, s'il y a Notting Hill, s'il y a le market de Camden, etc., etc. Ça pourrait être rigolo. Enfin, rigolo. Moi, je trouve ça rigolo parce que c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup, mais... Il manque une course à ce... Vitesse 5 mètres par seconde, là, c'est quand même pas ouf. Hein. Par contre, je peux passer à l'intérieur là, c'est rigolo. Vous arrivez chez l'ancien employeur de notre contact, et mis à part quelques gardes lourdement armés, c'est une vraie ville fantôme. Intéressant. Je ne pense pas que les fameux remplaçants soient sur place. Menez l'enquête et tâchez d'établir où ils se trouvent. Pourquoi je peux pas descendre? Voilà. Hop, ça c'est fait. Oui,
fouillez bien partout, chaque recoin. Je peux plus électrocuter lui, c'est dommage ça. J'ai entendu quelque chose par là. Qui est là ? Bah alors ? Bon, ça me dit pas comment je vais descendre tout ça. Bah si, par là. Je sais pas ce que je cherche. Espionnage industriel depuis cet endroit. Aïe. Est-ce que je charge la vie ou pas ? Oui. Viens dans le piège, viens dans le piège. Le transfert est en cours. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. Ouais, on a été mis KO par le... Très bien.
C'est rigolo les combats du coup. Allez, prenons l'argent. Quand même, c'est la moindre des choses. 1275, très bien. Je parie qu'il y en a d'autres dans le coin. Yura Pro. Alors bien le... L'Halloween de... De Sea of Thieves du coup. Est-ce que je vais réussir à balancer mon drone dedans ou pas? Yes. Ça me sert. Faut que j'aille où? Ok, là on déverrouille. Ah, tu gardes même pas ton argent pour pimp notre brigandine. En plus, tu l'utilises pour tout, non? Un témoin. Je fasse quoi là? Quitter la zone? Ah, mais je traîne là depuis tout à l'heure, moi. Eh bien, cassons-nous. C'est par où? Là. Mince, j'ai pas ouvert cette porte. Bon, on peut partir par là, c'est très bien. Est-ce que je peux retourner récupérer mon vaisseau ou pas? Il est où? Ça m'embêterait un peu de l'avoir laissé pour rien. Il est où? Ah, il est là. Ça, ça reste quand même la meilleure feature du jeu, quoi. Non, pas désactiver. Oh non, mince, je suis trop bête. Qu'est-ce qu'on a, Bagley? Eh bien, j'ai trouvé ce qui a remplacé notre contact. Une intelligence artificielle. Et complètement miteuse, en plus. À des années-lumière de la mienne, d'intelligence. Elle pourrait peut-être remplacer quelques millions d'humains, mais guère plus. Putain! Oh, ça doit faire reste poli, machine, hein. Votre point de vue, certes. Si vous voulez, allons la détruire avant qu'elle ne mette d'autres humains au chômage. Très bonne idée, Bagley. Envoie-moi les coordonnées. Alors, est-ce que c'est loin? Si c'est loin, on va pas y aller en vaisseau. Ah non, c'est trop loin. C'est trop loin, on va aller prendre une voiture. Parce qu'il est vraiment trop lent, ce truc. Ouais, c'est discret. Mais j'ai réussi à m'infiltrer grâce à ça, hein.
Ça paraît pas discret, mais ça l'est. C'est que t'es en l'air, et les gens, ils lèvent pas les yeux dans les jeux vidéo. Ah, toi, donne-moi ta moto. Wouhou! Ah, enfin du rock anglais, c'est pas trop tôt. Hop, merde, je suis gouré de côté. On nous signale un individu hostile dans votre secteur. Je refile, on est en route. Allez. Voilà. Waouh. Ah non. Non plus. Lance un avis de recherche. Non, c'est là que je vais. Les codes sources de notre IA voleuse d'emploi sont conservés dans une pièce sur le site. Parfait. Allez, c'est l'heure de tout péter. Exactement, c'est l'heure de tout péter. Oups. Ok, c'est un échec. Wow, je suis repéré de partout, je suis dans la merde. Ok, ok, vous voulez ma mort, j'ai compris. C'est qui me voit là? Non. Merde! Faut que j'aille où? Merde. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Rendez-vous sur les lieux de l'alarme. Je suis caché. Vous voyez pas, je suis caché. Faut que j'arrive à tuer ce truc.
C'est ça qu'il faut que j'arrive à tuer? Je sais pas comment je vais faire. Hein. En plus, mon perso il est coincé là. Ouais, son perso il est vraiment coincé. Je sais ce que je vais faire pour tuer le VIP. Ah, je rentre pas. Allez, rentre. Eh oui, vous m'avez perdu. On va lui larguer ça sur la gueule. Il va rien comprendre. Allez. Ah ah ah. Fais-moi le malin maintenant. Bon, par contre, comment je me débloque? Vas-y, je t'écoute. Ce drone était assigné à un centre de détention d'Albion quelque part dans le Borough. D'après ce que j'ai pu analyser... Oh, le bug de merde! ...des insurgés locaux prioritaires. Cela fait une arme en moins dans leur arsenal. Ah yeah. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'entrer par là. Après, il faut que je monte, donc j'ai pas le choix, mais... Ah, c'est là. Oh bah, ça marche aussi. Je sais pas ce qu'ils font eux, mais... Allez, on prend l'argent. On monte. Est-ce que c'est là où ça se passe? C'est ici. L'heure est venue de ravager la propriété d'autrui. Je fasse quoi? Meurtre de l'IA accompli. Allez vous mettre en lieu sûr. Je vais transmettre la bonne nouvelle à notre ami. Parfait. Faut encore que je monte pour... Je peux monter par là? Monter là. Je vais récupérer ce point de tech quand même. C'est encore au-dessus. Je vais appuyer aller en drone, toi t'es plus rapide. Ah, c'est en dessous. Il est où? Nice. Je peux me tirer. Par contre, il y a un VIP là. Je vais essayer d'aller me le faire.
Bah descends. Il est où ce VIP? Je vais te dire un truc, et tu vas pas le croire. Ton remplaçant là, bah figure-toi que c'est une IA. Y a pas que les chauffeurs de taxi et les comptables qui se font remplacer par des machines maintenant. Vraiment? Ils voulaient pas seulement remplacer toute ta division, mais y a toute rien. Votre industrie. DedSec a pu les arrêter juste à temps. Il est juste mort? Il me dit que c'est tu plus peux haut. Faire une vraie différence, tu sais. Rejoins DedSec au lieu de rester le boule enfoncé dans ton canapé. Ok, j'en suis. On va s'amuser. Ok, on a un nouvel agent. Trop bien. Donc on a recruté... Non. Qu'est-ce que tu me fais? Ah mais je suis recherché, c'est pour ça. On va se barrer et on va voir un peu notre SDF. Je sais ça me barre par contre. Boum. Ok, on est plus recherché. Parfait. Alors, équipe, on a Owen Halls, on a recruté ce SDF trop sympa, qui a une matraque cloutée. Recruté par agent Shelby Watson, DedSec a désactivé son IA de secours. A vu DedSec empêcher un acte de violence dans la rue. Âge 57 ans. Profession SDF, salaire 1000 livres par mois. Au sens, c'est un SDF qui touche bien, qui gagne bien sa vie quand même. Associé Gwen Morris, journaliste en attente de déportation. Louise Holm, sa nièce, poste des messages au sujet de la réforme électorale, a demandé à Bagley comment se faire des amis. Citation à comparaître pour vagabondage à Streamtam, lieu de naissance Hull, en Angleterre, a perdu sa couverture santé. Eh ben très bien, il est très bien ce Owen Holmes. Il est à Westminster. Alors, on a également des données dont on se fout royalement, hein, on va pas se le cacher, le lore du jeu, il est pas extraordinaire. Bracelet DedSec. Pour en trouver plusieurs pour arrêter de décrypter le message, ça c'est plutôt cool. La boutique, toujours avec des points verts. Des costumes complètement pétés. Non mais n'importe quoi les gars. N'importe quoi. Bah ça on a tout parce que j'ai la version Ultimate machin. Season Pass, on a tout acheté. Parce que j'ai la version Ultimate truc machin. Ok. Eh bien écoutez YouTube, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'était étonnamment chouette. Donc je vais sûrement continuer le jeu. Parce que je le trouve très très bien.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu et puis à partager la vidéo. Vous connaissez la routine. Et on se retrouve bientôt pour la suite et pour d'autres jeux. Il y a pas mal de jeux qui sortent. Là, il y a Assassin's Creed Valhalla qui va sortir, qui me branche pas mal parce que je suis en train de manger la série Vikings. Donc j'ai hâte de le faire et j'avais beaucoup aimé Assassin's Creed Odyssey. Contrairement aux 25 autres Assassin's Creed qui étaient sortis plus tôt. Donc je vais le faire aussi et puis après on aura un petit peu de répit avant Cyberpunk. Pourquoi il y a une cible sur ce monsieur ? Désolé mec, mais t'avais une cible sur toi. Ça voulait dire que tu devais mourir. Et voilà, et c'est sur une courte poursuite qu'on va se laisser. Merci YouTube, allez à bientôt, ciao.